Putain de merde. T'as pas entendu un crack ? Ou si, mon dos ? Non, je parle du capot, là. Bonsoir. Non, c'est bon. C'est la voiture de ma grand-mère, donc je fais gaffe. Bon, le petit-fils à papa. Tu croyais aller où comme ça, hein ? T'avais un train à prendre, hein ? Un petit week-end au ferré, peut-être ? Eh, j'ai la peau dure, hein ? Ouais, Marius. Ouais, c'est bon, il est dans le coffre, là. Il est pas allé bien loin. Oui, je sais, mais j'aime bien les laisser courir un peu, ça laisse un peu de challenge. Il est en bon état ? Oui, on peut dire ça. Bon, un petit nez cassé, mais rien de méchant. C'est la voiture de ma grand-mère, tu crois vraiment que je prendrais le risque de foutre des taches de sang partout ? Oui, je sais qu'ils veulent le torturer, mais t'inquiète, tu vas pas mourir d'un nez qui saigne. Ouais. Bon, de toute façon, là, il est dans le coffre, donc j'y touche plus. Hein. Ok. Bah, je te le ramène, là, j'en ai pour 20 minutes. Allez, à toutes. Ah, pense à la voiture de mamie. Pas de sang. Titre de l'actualité sur Barouf News. À la une ce matin, un job étudiant pas comme les autres. De récentes études montrent que l'activité de tueur à gages attire de plus en plus d'étudiants, motivés par des primes qui peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros. Bien que leur nombre est difficile à évaluer, un étudiant sur trois avoue avoir déjà envisagé de se lancer dans ce réseau extrêmement dangereux. En réponse à cette étude, le ministre de l'Intérieur a déclaré prendre ce problème très au sérieux. Il affirme que lutter contre la précarité étudiante est indispensable pour détourner la jeunesse de cette activité qui constitue une véritable menace pour la sécurité publique. Alors, t'as eu le temps de réviser hier soir pour l'examen de ce matin ? Ouais. Vas-y, cours, on veut que je bouge. Oh, mais pas ma veste. Un peu. J'ai bien reçu l'argent d'ailleurs, et on a un contrat très très important, faudra que je t'en parle sérieusement. Ouais, ce week-end là, parce que... Ah non, ce soir, c'est super important. Faut pas perdre de temps, je t'expliquerai, il faut vraiment qu'on... Ça va toi ? Oui, super. Ça va ? T'en es grave à la bourre, Lucie. Ah oui, ouais, c'est vrai. Faut vraiment qu'on y aille. Alors ça, je comprendrai jamais. Tu kidnappes les mecs les plus dangereux de la région, et t'es pas foutu d'aller voir la fille sur qui tu baves depuis des mois ? Alors, déjà, c'est depuis des semaines, pas des mois. Mais c'est pas pareil. Là, il y a un enjeu. Si je vais la voir et que je foire, c'est foutu pour toujours. Tu sais, la première impression, c'est fondamental.
C'est vrai que de l'autre côté, il n'y a pas d'enjeu à risquer de se faire buter. Bon, toi, tu fais le malin, mais s'il n'y avait pas eu une intervention divine, t'aurais jamais rencontré ta copine. Oui. Merci. C'est bon là? Oui, t'es bien. Bon, tant mieux. Marius. Enchanté, Marius. Et toi? Moi, c'est Lisa. Ok. C'est vrai que ça relevait du miracle, oui. J'aurais bien besoin d'un miracle aussi. Oh, regarde, là, c'est ton occasion, là. Toutes les conditions sont optimales. Ses potes viennent juste de partir, elle attend tranquillement au tram, le temps, il est magnifique. Vas-y. Ouais, il manque un pigeon, quand même, hein. L'attends pas trop longtemps, le miracle. Il s'est déjà produit bien souvent avec toi. Pourquoi tu dis ça? Le fait que tu survives à chaque fois, ça c'est un miracle. Bon, on se voit ce soir. 20h, sois pas en retard, il y a le match. Salut. Salut. Tu sais quand est-ce qu'il arrive, le tram? Bah ouais, ça affiche normalement. Il y a marqué proche, donc je pense qu'il devait pas tarder. Ah bah tiens, regarde, il arrive. Quoi, c'était ça ta phrase d'approche? Bah, j'y suis allé au moins, non? Ouais, enfin, pour faire ça, t'aurais mieux fait de rien faire. Tu sais, tout le monde n'a pas la chance de voir sa crush se faire chier dessus juste devant soi. C'est vrai. Bon, ok, on commence. Allez, j'ai hâte de voir tes petites animations. Voici notre prochaine cible. Le fils unique du géant de l'immobilier, Monsieur Wilson. Notre client, le grand rival de Monsieur Wilson, le veut vivant pour pouvoir négocier plus facilement avec lui. Ouais, c'est efficace en général. Bon, un petit kidnapping, classique. Classique dans la forme, ouais. Mais regarde la prime. Ah ouais. Mais avec ça, on serait les plus jeunes retraités du monde. Donc tu te doutes bien qu'on va pas être les seuls sur l'affaire. C'est pour ça que je voulais t'en parler rapidement. Tu m'étonnes. Ça, Marius, c'est le contrat de la liberté. Ah, c'est prêt ! Pizza ? Non. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur le plan. Oui, pardon. Je t'écoute. Donc, j'ai recueilli des infos sur notre ami, j'ai piraté son Instagram, et j'ai découvert que, contrairement à toi, il avait aucun problème avec les femmes, et qu'il enchaînait les rendez-vous quasiment tous les soirs. Ouais, la magie de l'argent, quoi. Bah en fait, pas tellement. Parce que j'ai pu voir qu'il était à l'antipode de son père, il est très anticapitaliste, il bosse bénévolement dans des associations, il vit par ses propres moyens. C'est mec parfait, quoi. Ça fait presque de la peine. Hein. Bref. Donc j'ai vu qu'il avait un rendez-vous demain soir avec une meuf dans ce bar. Le plan est simple. Tu assistes gentiment à leur rendez-vous, en espérant qu'ils décident ensuite de faire connaissance plus profondément. Tu les suis, tu écoutes à leur porte, et dès que l'action commence, tu pénètres à l'intérieur et tu t'occupes de notre cher ami. Comment ça, maman? Enfin, oui, à tout ce que t'as dit, oui, mais au lieu de débarquer au début, je pense qu'il vaut mieux débarquer à la fin. Tu vois, juste après l'orgasme.
Comme ça, il aura la tête pleine d'endorphines, il aura juste envie de dormir. Il comprendra rien à ce qui se passe. Donc, ouais. Je pense qu'il faut vraiment attendre l'orgasme. Si tu le dis, c'est toi l'homme de terrain. Faudra juste espérer qu'il soit assez bruyant, histoire que j'attende pas comme un con dans la porte pour rien. Jonathan, faut vraiment pas se rater sur ce coup-là. Je veux que ça soit le dernier. Mon dernier, en tout cas. Moi aussi. Ok, il est là. Par contre, il est tout seul. Hein. C'est pas bon signe, ça. T'inquiète, elle arrive. Elle a prévenu qu'elle aurait un peu de retard. Elle lui a envoyé « J'arrive » il y a une minute. Donc, tiens-toi prêt. J'espère que ça va pas durer longtemps. Oh putain, putain, Marius, tu sais qui c'est la meuf? Bah ouais, j'ai son Insta sous les yeux. Et tu me l'as pas dit, espèce de con? J'avais peur que ça te perturbe. Ah oui, tu crois que ça me perturbe pas de la prendre comme ça? Ok, ok. Tu t'occupes de lui avant qu'il baise, ok? Avant qu'il baise. On va attendre l'orgasme. Mais ta gueule, toi! Plus je dois me taper tout le date. C'est le prix à payer pour le contrat de la liberté. Ok, ok. Ça va aller, ça va aller. Ok, c'est bon, ils s'en vont. Je les suis. Discrètement. Oui, oui, toujours, toujours. Je vais le buter. Non, il nous faut vivant, sinon il vaut rien. Ouais, 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 vivant, vivant. Mais abîmé, ça reste vivant, non? Bon, c'est bon, je suis à la porte, là. Bon, par contre, j'attends pas la fin. Dès que j'entends un bruit de braguette ou de ceinture, je fonce. Non, attends l'orgasme. Non, désolé, je peux pas. Non, attends. S'il vous plaît, aidez-moi. Il a voulu m'agresser. Oh, eh bien... Toi ? Le mec qui me mate depuis des mois à la fac? Alors, déjà c'est depuis des semaines, hein, pas des mois. N'abuse pas. Toi, tu viens avec moi? Je crois pas, non.
Peut-être que c'est le karma qui nous rattrape. Le fait qu'on ait choisi un job étudiant, pas très éthique. Après, c'est vrai que c'est dommage pour la prime, mais il y en aura d'autres, non? C'est pas l'argent le problème. Il y a pire. Il y a bien pire que ça. C'est vrai. Tu vois, qu'on rate un contrat à la limite, c'est dommage pour nous, mais c'est pas grave, on aurait trouvé d'autres, comme tu dis. Mais là, on l'a carrément buté. Ça veut dire qu'on aura sur notre dos son père et son concurrent. Le pire, c'est que c'est foutu avec Nora. Hey, au moins t'as pu avoir un rapprochement physique avec elle. Ce serait jamais arrivé sans ça. Bah, tu vois, c'est ça le miracle que t'attendais. C'est vrai. Après, par rapport à ce que tu disais, ce qui nous sauve un peu, c'est que personne nous a vus. Donc on n'est pas cramés. T'as tué un mec avec un flingue dans le couloir d'une résidence. Évidemment qu'on est cramés. D'une manière ou d'une autre. Prévenez Monsieur Wilson de mon appel. Je dois lui parler le plus rapidement possible. Dites-lui qu'il s'agit de son fils. Je vous adresse mes condoléances. Écoute-moi bien. Tu vas t'occuper d'eux. Tu vas me les ramener. Tu veux de l'argent? Tu vas en avoir. Tu sauras plus quoi en faire. Je m'en occupe, monsieur. Diego! Je les veux vivants.